Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate, parce que moi aujourd'hui, c'est le nez que j'ai en patate. Et oui, 5 jours à Center Park, 5 jours piscine, le vent frais de Normandie, et ben j'ai attrapé la crève. Voilà. Donc aujourd'hui, ma principale copine, c'est ma boîte de mouchoirs. Pour mon nez, pour me moucher. Mais aussi parce que je pleure, j'ai fait ma précommande dans le catalogue de Noël. J'ai trop hâte de les recevoir! J'ai pu en plus commander des produits exclusifs et aussi des produits Celebration et donc je vais bientôt pouvoir créer avec en sous-marin pour vous les faire découvrir dès début juillet. Mais avant tout ça, bonjour! Oh Dominique, c'est rare que tu puisses être là en direct et ça fait plaisir. Bonjour Isabelle! Bonjour Geneviève, bonjour Manu. Oh Marie-Jocelyne, c'est trop bien. Alors n'hésitez pas quand vous arrivez sur le live à faire un petit coucou, un petit commentaire, c'est toujours plus sympa. C'est comme quand vous rentrez à la maison. Je vous accueille bien sûr avec grand plaisir dans mon live, mais un petit coucou, c'est toujours plus agréable. Bonjour Laurence, bonjour Laetitia. Ah bah voilà, ça arrive, c'est top. Oh, mais il y a ma copine Honorine aussi qui est là, c'est top, 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 top. Alors, j'ai plein de petites choses à vous dire, mais surtout, je voulais... Ah, bonjour Stéphanie, bonjour Catherine. Je voulais aussi vous exprimer ma joie et ma fierté. J'ai la chance, grâce à cette opportunité que Stampin'Up vous a proposée pour devenir démonstratrice, d'avoir agrandi mon équipe, mais que mes fioles aient aussi agrandi leur équipe. Et donc, c'est juste trop, trop bien. Ah génial Claudine, oui effectivement, tous les kits Incolor sont partis la semaine dernière et quelques-uns hier. J'avais des petits soucis pour récupérer certaines coordonnées, pardon, mais tout est parti. D'ailleurs, Dominique, le tien est parti hier. Voilà, j'espère que j'ai pas loupé de commentaires et de questions. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va concocter une petite carte comme celle-ci. Avec ce fameux panda, koala. Ouf, ça y est, le rhume m'a attaqué le cerveau, hein, ce petit koala. Et je vais vous montrer comment faire cette petite sorte d'enveloppe que je trouve originale et j'ai l'impression en fait que le koala sort un petit peu de son cocon, comme si c'était un kangourou de la poche de sa maman et j'ai vraiment aimé. Et je voulais vraiment mettre aussi en avant cette jolie couleur verte perruche de parade. Et pour celles qui me connaissent, le vert n'est pas ma couleur de prédilection, mais ce joli vert, il est bien lumineux. Je voulais aussi vous faire découvrir les nouveaux dies qui sont là. Ils sont juste jolis en relief, ils sont juste trop, trop beaux, j'adore. Super Karine, impec. Bonjour Valérie. Donc, aujourd'hui, c'est ce projet-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'allais oublier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier j'ai publié des photos avec des promotions. Effectivement, comme à chaque fois le dernier mois chez des catalogues chez Stampin'Up, eh ben, ils vous proposent les produits du catalogue saisonnier de janvier à juin avec des promotions à 50, 30, 20, 10 et 0%, mais qui vont sortir du catalogue. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. N'hésitez plus, d'accord? Après, il sera trop tard. Et attention, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Il y a aussi... Ah bah moi, Isabelle, c'est pas les allergies, c'est vraiment la crève. J'ai attrapé le froid. Je suis sortie les pieds mouillés. Hein, Isabelle? J'ai attrapé la crève. Hein? C'est la faute d'Isabelle d'ailleurs, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça est que à partir d'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier des comment dire, des kits. Je cherche mes mots, je suis désolée, hein, je suis un peu enrhubée du cerveau comme vous pouvez le voir et l'entendre surtout. Et si vous achetez un kit Stampin' Up, le deuxième vous l'avez à moins 50%. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de bénéficier de cette offre et aussi surtout, il faut en faire bénéficier les copines ou les filles qui sont autour de vous, qui n'ont pas encore découvert le scrap et les kits permettent ça. Ça permet aussi de faire des petits cadeaux. Pourquoi pas des cadeaux aussi aux maîtresses. Souvent, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va offrir à la maîtresse à la fin de l'année parce qu'elle a été sympa, à la SEM
ou à la prof, peu importe, et pourquoi pas lui offrir un kit, en plus à moins 50%, ça va pas aller trouer trop votre budget, et ça va lui faire per... enfin, lui... Oh! 1, 2, 3, 4, 5! Ça va lui permettre de découvrir le scrap, le loisir créatif et la carterie. Oui, j'ai refait mon vernis qui avait trop souffert de la piscine la semaine dernière, mais ça y est, j'ai refait du rose. Hein. D'ailleurs, j'ai pas encore fait le tirage au sort hein, pour le jeu de la semaine dernière. J'ai des ados qui sont un peu récalcitrants pour être mes mains innocentes, mais normalement cet après-midi, je devrais réussir à les convaincre. Voilà. On y va, on se met au travail. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que autant le lundi, c'est vrai que c'est exclusivement réservé aux questions-réponses, mais le mercredi, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est... voilà. Et si je la vois pas dans les commentaires, n'hésitez pas à la remettre. Donc voilà. Alors, on y va sur mon plan de travail. Et donc, on va réaliser cette carte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ouais, j'ai mis du rose fluo sur mes ongles. Ça change, hein? Ah, super Patricia, quel plaisir de te revoir. Et donc, on va utiliser... on va dire un modèle de carte classique. On va surtout utiliser, regardez-moi ça. C'est juste une tuerie, ce dice, joli relief là. On va l'utiliser, vous allez voir, c'est juste du tonnerre. On va faire la petite enveloppe, les petits pois sucrés, le petit koala, la petite étiquette là aussi. Allez, on y va. J'arrête de papoter et on se met à travailler. Alors, on va. Et si vous êtes ça, je vous montrerai quelque chose parce que je suis en train de travailler sur un projet. Que une de mes amies m'a demandé une boîte pour un mariage et je l'ai finie. Alors si vous êtes sage et si j'oublie pas d'ici la fin du live, je vous la montre. Si vous êtes très très sage, hein, attention. Alors, je vais prendre un set de temps, un bloc acrylique. Ça y est. Je vais l'ancrer avec de la Memento pour pouvoir le colorier avec mes blends par la suite. Donc je teinte mon koala. Voilà. Maintenant, puisque j'ai utilisé l'encre Memento, je vais pouvoir utiliser mes blends. Et donc, je vais jouer avec les nuances. Alors, j'ai utilisé, bien évidemment, mes Stampin' Blend Perruche de Parade, puisque c'est le papier imprimé qu'on va utiliser, donc pour que ça soit bien associé. Bonjour Catherine et Marianne. Surtout, n'oubliez pas de faire un petit coucou quand vous arrivez, c'est toujours plus sympa. Hop. Je vais colorier mes petites feuilles d'eucalyptus. J'aime beaucoup ce vert très ensoleillé, très lumineux en fait, j'aime bien. Je suis désolée, je parle du nez, hein, mais évidemment, le rhume s'est invité. Donc ça, après, j'ai pris le plus foncé et j'ai fait des petites touches de plus foncé par-ci, par-là. Alors, c'est vrai que peut-être qu'en vidéo, vous n'allez pas voir, mais de près, ça se voit bien. Donc, n'hésitez pas à rajouter. Ça donne du relief à vos feuillages. Hein. C'est important. Coucou Joël. Oh, mais il y a du monde ce matin, c'est top les filles. Ah, les tampons, ils sont trop beaux et ils ont une belle finition, c'est trop génial. Alors, j'ai pris après le brune dune foncé et le brune dune clair. Et donc moi, comme je le dis à chaque fois, je colorie d'abord en brune dune clair mes arbres. Je vais faire sur le tronc là, mais je vais aussi faire sur ce tronc là. Oui, en plus avec la pointe pinceau, ça va super vite. Maintenant, je vais prendre le brune dune foncé et je vais ramener, on va dire, de la couleur plus foncée sur les ombres. Et donc, je vais utiliser le dessin de Stampin' Up. Vous voyez bien, là, ils ont fait plus de nervures, donc c'est là où je vais faire un peu plus de couleur de foncé. Bonjour Valérie. Bah, il y a du monde ce matin, c'est top.
Ben moi, pour tout vous dire, je suis aussi en grande préparation parce que ce week-end, c'est ma rencontre de lignée. Donc, on va se retrouver à une vingtaine samedi et dimanche. Et on va bien s'éclater. On va scraper. On va faire plein, plein de choses. Et on va découvrir. On va s'échanger des astuces. Ça va être trop bien. Après, je prends l'ardoise bourgeoise claire. Et je fais pareil que tout à l'heure. Je fais la totalité de mon koala. Hop là. Ouais, vous avez vu, hein, j'ai fait du flashy hein, sans vernis. Parce que j'ai la patate. J'avais envie de soleil dans mes doigts, au bout de mes doigts. Donc, je fais bien tout mon koala en ardoise bourgeoise claire. Et avec le foncé, je vais venir faire l'intérieur des oreilles. En fait, où le tampon est déjà un peu plus foncé, le bout du nez. Mais aussi un peu au niveau des papattes. Voilà. Ok? Oh Valérie, ben une prochaine fois, t'inquiète. Les rencontres de lignée, j'en fais à peu près deux par an. Hein, donc, ne te tracasse pas. Si c'est pas pour cette fois-ci, ça sera pour une autre. On pourrait imaginer aussi, je ne l'avais pas fait sur mon modèle principal, mais on peut rajouter un peu de paillettes. Parce que j'adore mettre des paillettes dans vos vies. Voilà, avec le Wink of Stella. Et maintenant, je vais découper au ciseau, puisque Stampin' Up! Nous a pas fait de dies assortis, mais vous allez voir, c'est pas très très compliqué à découper. Avec du bon matériel, un bon ciseau, et hop, à nous le détourage. Je dirais, ce qui est le plus complexe, c'est autour des feuilles, mais ça se fait. Hein. Bah, il y a intérêt à voir que tu viennes. Ou alors, il faudrait que ça soit moi qui vienne. Pas de souci, Martine, t'inquiète, j'ai juste tamponné mon petit koala. Et puis, j'ai, comment dire, colorié avec mes blends. Alors, vous voyez, là, ça sera caché, le feuillage. Donc, je ne vais pas me casser la tête à couper les feuilles, puisque on n'en aura pas besoin. J'aime découper, mais quand même, hein. Là, c'est pareil, donc je ne le fais pas. Par contre, je vais faire les petites feuilles qui sont là, puisque c'est ce qui va dépasser de la petite enveloppe qu'on va faire ensemble après. N'hésitez pas à partager la vidéo, les filles, c'est toujours très cool. Et puis, je sais que certes, beaucoup ont repris le travail et leur rythme infernal de après Covid. Et je sais que beaucoup de mes clientes me regardent en replay et beaucoup de mes abonnés aussi. D'ailleurs, je leur fais des gros coucous. Je pense toujours à vous. Oh zut! Alors pour la petite anecdote, Ginette est une de mes filleules. Et en fait, elle est invitée à un mariage. Donc on espérait secrètement c'est pas gentil ce qu'on dit d'ailleurs. Bon, j'arrête. Qu'ils renoncent à leur mariage, mais non. Non, non. Donc ça sera pour une prochaine fois, Ginette. Bonjour Christelle! Hop là! Donc, on a notre petit koala. Maintenant, on va venir prendre notre papier design recto verso et on va jouer justement avec ce recto verso. Alors, première chose qu'on va faire, c'est... Bonjour Véronique. Ta valise est prête, Véronique? On va couper notre papier design en 10 par 15. Donc, on a déjà 15. Donc là, on va juste couper 10 cm. Et voilà, d'accord? Maintenant, c'est là où on va dire que ça se complique un petit peu. J'ai bien dit un petit peu, hein, c'est pas non plus la fin du monde. On va plier, on va dire, en diagonale pour former des petites pointes. Et on va le faire à la main, tout simplement. Alors vous voyez, c'est juste pour avoir l'esprit montagne, là. Hop, et hop. D'accord? Ok? Et maintenant qu'on a fait ça, en fait, le principal, c'est que au milieu, vous ayez 8 cm. D'accord? Donc,
C'est à vous de choisir vraiment comment vous voulez qu'on voit les petites montagnes derrière. Donc moi je vais faire comme ceci. Ah oui, là je plie. Et après, je vais faire la même chose, mais je vais me repérer aux 8 cm là que je mets en face. Et du coup, je plie. Je marque un pli. D'accord? Tout simplement. Et après, je marque un pli dans les deux sens. Ok? Bonjour Christelle. J'espère que tu vas bien. Merci de faire un petit coucou et de venir me rendre visite. Ok? On est bon comme ça? C'est tout simple, hein? Je recommence. Donc j'ai d'abord plié en deux, volontairement en décalant. Après, j'ai fait mon premier pli et j'ai fait mon deuxième pli. L'important, c'est que d'ici à ici, vous ayez 8 cm et je referme. Tout simplement. Ok? C'est bon? Alors, je continue. Maintenant, mais je crois qu'il va falloir que je me fasse un petit coup de mouche-mouche entre deux. Je suis désolée, c'est les lois du direct. Ah, ça fait. Voilà. Ah, je respire mieux. Une fois qu'on a fait ça, on va venir reprendre notre massicot. On va prendre une feuille perruche de parade et on va faire une coupe à 14,4. Jusque 14,4 sur 10,4. D'accord? Puis on va prendre une feuille blanche. Alors normalement. Non, j'ai pas. Je pensais avoir une chute, mais non. Normalement, ce n'est pas des allergies, j'ai attrapé la crève. Je suis allée passer 5 jours à Center Park et j'ai attrapé la crève. Voilà. Oui, Isabelle, c'est ça. Alors, Isabelle, on se moque pas. Je vais vous raconter quand même une petite anecdote que Isabelle. Alors, donc Isabelle est une de mes clientes et une de mes abonnées, mais aussi elle travaille à Center Park, donc elle m'a reconnue le mercredi à Center Park et le vendredi, non, le samedi, en prenant mon vélo, j'ai crevé deux fois avec deux vélos différents, bien évidemment. Et du coup, effectivement. J'étais en cours d'air puisque j'ai crevé deux fois. Donc là, allez, je réessaye de me reconcentrer. Je me mets à 14,8 sur 21, qu'on va plier à 10,5. Et donc ça sera la base de notre carte. Bah, c'est surtout que l'eau était très chaude et que le vent de Normandie était un peu frisquet, on va dire. Donc j'ai bien ma base de carte. Après, j'ai mon papier vert. Tiens, d'ailleurs, vous avez vu, là, est-ce que vous voyez les petites pluches là? C'est que ma lame, elle commence à être en fin de vie. Il va falloir que je change la lame de mon massicot. Ceci dit, avec tout ce que j'ai fait dernièrement, ça ne m'étonne pas. Hop, on va coller comme ceci, d'accord? Et on va faire pourquoi? Puisque du coup, afin de mettre vraiment en avant ce joli dies, j'ai mis un fond vert pour qu'on voit vraiment le relief. D'accord? Et donc, maintenant, avec une chute de blanc, donc je vais faire 9,7 cm sur 14. Et en plus, Aurore est là aujourd'hui, donc elle vous met toutes les dimensions, mais c'est vraiment des dimensions, on va dire, standard, hein. C'est pas. Il n'y a pas besoin d'être une trappeuse chevronnée pour réaliser cette carte. Il est tombé. Il a chu, comme dirait l'autre. Hop là. Et regardez. C'est cette découpe-là qu'on va utiliser dans le lot Joli Relief. Et c'est la référence 159-179. Et il y a plein de petites choses. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait des découpes partielles et on va s'amuser à mettre en relief certaines découpes.
Donc tout simplement, moi je l'ai placé en haut pour qu'on voit un maximum. Hein, parce que ce serait dommage de tout cacher. Je vais sortir ma machine de découpe. J'aurais pu nettoyer d'ailleurs. Oh là là. C'est ça, faire 10 000 choses en même temps. Hop là. On met là. Donc je prends mon petit fond blanc. Me place ici, tout en haut. Je remets ma plaque de découpe et je tourne ma manivelle. Attention, et là, je chante pas. Parce que déjà que je suis enrhumée, alors si je chante, je pourrais plus respirer. Allez, je tourne la manivelle. Une première fois, une deuxième fois. Oh, ça, c'est métique, hein, de travail. Hop là. Je remets. C'est du solide, hein, ça tient. Et regardez. En fait, quand je le retire, ça a découpé, mais pas partout. D'accord? Ce qui va me permettre, en fait, avec mon outil touche à tout. Ah, perdu. Vous savez, l'outil que mon mari adore. Eh bien, de pousser derrière, tout simplement, pour pouvoir mettre en relief les feuilles, les ailes de papillon. Et regardez comment c'est super facile. Alors en plus, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. C'est vous qui choisissez ce que vous allez mettre en relief. Merci Christelle, tu chantes à ma place. T'as bien raison. Si je chante, je vais plus pouvoir respirer. Déjà que le fait de parler, j'ai l'impression d'être en apnée alors. Hop là. On continue, on fait tout. Les ailes de la libellule. La seule chose, c'est que je ne vais pas aller vers le bas parce que ça sera caché de toute façon par mon enveloppe, donc j'ai pas besoin. Vous voyez comment c'est super facile? Voilà. Ah, je vais faire le grand papillon quand même un petit peu là. On va le voir. Ah, super Véronique. Il est trop beau ce dice. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et en fait, oh, j'ai la main qui me démange. C'est signe de cadeau, ça, je crois, là. Hein? Ah. Ah bah moi aussi, j'aimerais bien te voir bientôt, Christelle. Si tu veux venir dimanche, samedi dimanche, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein? Et en fait, vous avez vu le fait d'avoir mis le papier vert au dos, ça va vraiment mettre en valeur encore plus cette découpe. C'est signe d'argent. Je gratte fort, alors je me regratte. Je me regratte parce qu'il me faut plein de sous pour acheter tout ce que je veux dans le catalogue. Donc ça, c'est bon. Je vais venir coller avec la colle. Ah, je croyais, Christelle, je croyais que c'était à moi que tu voulais parler, que tu disais que tu voulais me voir. Moi, je veux te voir aussi. Hein. Et je vais coller là. Je laisse mon idée, mon petit pantage tout autour. Vous savez que j'adore faire ça. Voilà. Maintenant, je vais venir coller mon enveloppe ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle là. Un petit point de colle là. Hop. Je vais maintenir avec une petite épingle. Oui, effectivement, belle maman, je pourrais colorier les ailes de papillon. Allez, on essaye? Allez, j'essaye. Si belle maman, vous me faites faire des bêtises, je vais plutôt faire le feuillage, tiens pas. Regardez, ça fait chouette, hein? C'est pas compliqué, hein? Hop là. Hop. Maintenant, je vais venir coller le dos de mon enveloppe.
Hop, comme ceci. Sans oublier, merci Dominique, d'y glisser mon petit koala. Là. Alors, on peut le glisser comme ça, mais moi, par sûreté, je mets une petite mousse 3D quand même au dos. Hop là, pour qu'il reste collé, maintenu. D'accord? Donc ça, on avance. Maintenant, il fallait bien mettre un petit texte. Alors, je le vois bien. Je vois bien. L'offrir pour une naissance, on pourrait aussi hein, très bien le faire pour une naissance. Moi, j'avais vraiment envie d'utiliser le texte fait à la main, écrit avec le cœur. Parce que c'est un petit peu ça, hein, quand on crée avec nos petites mimines, c'est qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à offrir. Et puis, c'est toujours fait avec le cœur. Et donc, on va. Vous voyez, pour une fois, je l'ai monté et je l'ai préparé. Et là, je vais utiliser. Mon Stampin' White, donc mon feutre à base d'eau. D'ailleurs, je crois que c'est Véronique qui m'avait posé la question lundi et que j'ai pas vu le commentaire. Les Stampin' Blend sont des feutres à alcool qui vont permettre de colorier, alors que les Stampin' White sont à base d'eau et donc ils vont nous permettre de faire les petits zigouigouis comme j'ai l'habitude de faire, mais aussi d'ancrer, alors que avec les Stampin' White, ancrer nos tampons directement. Donc là, je veux pas le petit cœur parce que si je fais le petit cœur, ça rentre pas dans mon étiquette que j'ai prévu de mettre. Donc je fais que l'écriture. Je veux pas non plus que le petit logo Stampin' Up! Apparaisse, puisque là ça va perdre un petit peu son charme. Je prends une feuille de brouillon. Je tamponne. Hop là. Voilà. Et vous voyez, on aurait pu alterner. Bonjour Nathalie. Plusieurs couleurs évidemment, hein, si vous voulez. Je vais prendre mes découpes format à la mode, alors que j'aime beaucoup. Déjà, pourquoi? Parce que dans le même lot, vous avez les cercles, donc c'est des formes intemporelles, des carrés, les petits fanions pour faire les textes, mais ce que j'aime vraiment, 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 c'est l'effet un petit peu couture et pointillé que vous avez là. Ça rend tout de suite beaucoup plus fin et je trouve ça très joli. Et donc, on va utiliser ce dies là. Je vais ressortir la machine de découpe. Bonjour Christine. Ok, bah impec Valérie. Alors, si j'ai pu répondre à ta question ce matin, tant mieux. Vrai que du coup, lundi, je l'ai vu trop tard. Donc là, on va mettre. Donc, c'est pour ça que je tamponne toujours avant. Comme ça, je vais pouvoir bien placer. Ah, oh, d'ailleurs, j'aurais pu utiliser la plaque magnétique. Que je l'ai reçu. Alors attendez, je l'ai jamais utilisé. Hein. Donc encore. Oh, elle est hyper lourde. En tout cas, moi je sais pas combien elle pèse, hein, mais c'est du lourd. Hein. Alors je vais utiliser. Alors, placer les poinçons en endroit imprimé, la plaque des plaques magnétiques plutôt que les placer toujours au même endroit. Ok. Ok. Et donc, il faut. Alors, vous voyez, ce qui est vraiment trop bon chez Stampin' Up, c'est que tout est écrit dessus. Ouais, elle est lourde. Alors, j'ai ma plaque numéro 1, j'ai une plaque numéro 2 à mettre. Voilà. Après, il faut ma plaque magnétique. Vous avez vu, tout est là. Hein. Donc, pensez à garder comment dire, vos utilisations. Alors, est-ce qu'il faut que je mette le côté avec le numéro ou. Placez les poinçons à différents endroits sur la partie imprimée de la plaque découpe. Donc, si j'ai bien compris, comme ceci. Il faut que je place mon papier, puis ma découpe. Oh, regardez, c'est trop bien. Oh, mais elle est magique! 750 grammes à pèse. Ah bah oui. Donc, on est bon là. Et donc, je reprends une plaque transparente. C'est ça, ouais. Voilà, bon, je dois avoir un petit outil. Je pense que la plaque numéro 2 n'est pas utile. Alors, ça doit dépendre aussi de vos machines. Elles ne sont pas toutes calibrées pareil. Ah bah, justement, Aurore, tu vois, je n'avais pas vu ton message. Donc, Aurore qui est là, c'est bien, tant mieux. Moi, je ne l'avais pas encore testé, mais il y a une petite. Il y a un petit. Petite erreur dans la notice, il ne faut pas mettre la plaque numéro 2. Mais de toute façon, vous ne pourriez pas mouliner. Donc,
Et donc là, je tourne la manivelle, ça bouge pas, c'est magique. Regardez-moi ça. Et là, si j'ai fait une bêtise, eh ben, on l'aurait en live. Regardez comment c'est trop beau. Ah là là, je vais l'adorer, je crois, cette plaque. Ouh là là, ouh là là. Parfait. Bon, effectivement, elle est lourde, mais elle est efficace. C'est du lourd. On pourrait même faire un résumé comme ça. Et donc, on va mettre là. Sauf que j'ai envie de rajouter du petit ruban là, qui est trop beau. Comment je vais pouvoir. J'aurais dû m'y prendre avant, mais non, c'est pas grave. On va faire une astuce. Je vais prendre un ciseau. Hop là. Je vais coller avec les Glue Dots. Ça y est, je fais du hors. J'avais pas prévu de faire comme ça. Hein. Mais vous savez, comme j'aime le faire, les des lives, des vrais lives, où des fois il y a de l'improvisation, voire souvent d'ailleurs. Donc là, on est bon. Je vais même mettre. J'ai envie de mettre un peu de mousse 3D. Mais pour coller le ruban, c'est toujours mieux les glue dots. Valérie, oui, c'est le format standard. Donc oui, elle fonctionne sur toutes les machines de découpe, bien évidemment. Il y a juste au niveau du sandwich qu'il va falloir un petit peu jouer avec, mais c'est tout. Pas bah, jouer. Trouver le bon, la bonne taille, en fait. La bonne superposition. Donc on va le mettre comme ceci. Parfait. Et je vais venir faire le tour avec mon ruban. Hop là, tadam, tadam, tadam. Et je vais venir. Hop. Vous voyez, moi, pas de perte, hein. Je récupère tous les bords. Je vais enlever un peu, sinon ça va déborder. Et la même chose de l'autre côté. Tadam, 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 tadam. Hop là, pareil. Ça et là. Impec. Vous voyez, c'est les petites choses, mais ça fait tout. Je vais venir prendre ma base de cartes. Je vais coller dessus. Alors, je vais peut-être rajouter les mousses 3D parce que ça ne va pas être suffisant quand même. Deux petites comme ça en bas. Alors, la référence de la plaque magnétique, oui, je l'ai puisque je l'ai ouvert en même temps que vous. 161, 128. Voilà. J'avais enlevé l'opercule sur celle-là. Donc ça. Là. Et voilà. On est bien. Vous voyez, il y a le petit matage autour, c'est beaucoup. Je vais venir prendre mes petits pois sucrés mat assortis à mes Incolor que j'adore. Mon petit outil touche-à-tout avec ma petite spatule. Merci Aurore. Et je vais venir. Ah, il y a la brosse qui s'agrippe à mon gilet. Je vais venir rajouter des petits pois sucrés à l'intérieur de ma découpe. Alors, je vais mettre un là. Voilà. Et vous avez différentes tailles. Donc, je vais utiliser aussi les plus petits pour mettre où? Allez, un là. Et un dernier plus gros pour mettre là. Parfait. Trop, trop bien. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, avec nos papiers design, d'ailleurs, pour celles qui ont pris le kit Incolor, c'est une carte qui est parfaite avec ces couleurs-là. Il nous reste une petite bande de 5 sur 15. Et donc, je ne voulais pas la perdre. Alors, je l'ai. En fait, j'ai tout simplement coupé en deux, en diagonale. Peu importe le sens. Hein, mais. Voilà. Ça bouge un petit peu. Je coupe. Et en fait, j'ai utilisé des chutes. Pour décorer l'intérieur de ma carte. Donc
Alors, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, c'est un petit peu plus grand. C'est normal. Alors, j'ai mis de la colle essentiellement au niveau de la pointe. Que la pointe, c'est toujours difficile de la bien la recouper pour qu'elle soit bien fine et bien jolie. Donc, je vais coller ça comme ça. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous avez vu, volontairement, je ne mets pas de la colle sur le bord là. Vous allez voir pourquoi. Donc je me mets là en haut. Parfait. Là. Et en fait, après, je prends mes ciseaux, tout simplement. Ah ouais, Isabelle, j'avais une défunte. Alors, Isabelle, elle a reçu la couleur perruche de parade, et en plus, du coup, elle a une de ses chambres qui est pas exactement de cette couleur-là. Donc voilà. Donc on a l'intérieur de notre carte. Bah oui, parce que du coup, on avait notre chute là, où on se dit, après, on sait plus quoi en faire des chutes. Là, ça permet vraiment de la décorer. Et comme vous le savez, moi, j'adore rajouter des petites choses aussi. Et donc, je vais rajouter tout simplement un petit liseré avec mes zigouigouis comme j'ai l'habitude de faire. Hop là. Et je vais faire la même chose en bas. Alors, vous avez vu, moi, je suis toujours dans le même sens, de gauche vers la droite, puisque c'est mon sens d'écriture. On pourrait aussi rajouter ici, hein. C'est comme. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait ou on le fait parfois? J'hésite. Allez, on le fait. Je fais. Essayer de joindre les deux bouts là. Voilà. Ah, j'ai tiré la langue. Vous n'avez pas vu. Bon, idéalement, il faut essayer de pas lever son. Voilà. Son coup de crayon. Oh, j'ai cru que je l'avais fait à l'envers. Ouf. Vous avez vu mon moment de solitude là? D'un seul coup, d'un seul. Et voici une jolie carte. Alors. Fait à la main et créé avec mon cœur de scrapeuse, rien que pour vous, ce matin, pendant ce 270e live, quand même, hein. Ça fait 4 ans qu'on se retrouve, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi, qu'on se retrouve tous les mercredis à 10h30 pour un live créatif. Et quand même, il va falloir, bientôt falloir un gâteau d'anniversaire, hein, pour fêter tout ça. Hein. Donc voilà. Alors j'espère que ce projet vous a inspiré. J'espère que ça va vous donner des envies avec cette idée d'enveloppe. Et non, pas de boulettes ce matin, Isabelle. Comme quoi, je me suis bien ressourcée et que j'étais pas trop fatiguée, quoique. Mais voilà. J'ai mal partout, hein, par contre. Hein. C'est sportif, hein, Center Park. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est plus de mon âge. J'ai plus 20 ans, comme dirait l'autre. Donc, voici, voilà. Je me permets d'attirer votre attention, bien évidemment, sur le petit code hôtesse qui a changé depuis ce matin, puisque nous sommes le 1er juin, et donc le code hôtesse, il vous sert quand vous passez commande sur la boutique en ligne et que votre commande est inférieure à 200 euros. Ça vous permet de recevoir de ma part, début juillet, un nouveau petit cadeau scrapesque. Voilà. J'allais oublier. Est-ce que vous voulez voir la boîte? Est-ce que vous voulez voir la boîte? Allez, dites-moi tout. Vous êtes 31 à me regarder. Il faut que j'aille 31 oui pour que je vous montre la boîte. Pendant ce temps-là, je me mouche. Allez, dites-moi tout. Voulez voir la boîte? Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous voulez pas, vous avez le droit de dire non, hein. Ah, je sens que vous êtes motivé. Alors, cette boîte, je l'ai faite avec la collection Rose d'Abigail. Alors, je vais vous montrer déjà la collection que j'ai utilisée.
Donc, c'est une boîte qui permettra de mettre le coussin avec les alliances à l'intérieur pour pas les perdre. Et j'ai vu le coussin. Alors, c'est dommage, j'aurais dû le mettre. J'ai vu le coussin et du coup, tout de suite, quand j'ai vu le coussin, j'ai pensé à cette collection Rose d'Abigail parce que je l'ai trouvé vraiment sublime. Et donc, je me suis amusée à faire une jolie boîte. Bah. Une boîte, bon, ça va, elle plaît. La personne qui me l'a demandé, ça lui plaît. Donc, je peux dire jolie maintenant. Et je vous montre. J'ai. Hop là, ta-da-da-da. Bon, je fais un peu de ménage parce que ça serait dommage qu'elle soit pas mise en valeur avec tout le bazar que j'ai autour là. Alors, j'espère que les couleurs rendent bien en vidéo. Et donc, regardez. Je me suis amusée en associant les papiers design recto verso, le joli ruban, la perfo ovale que j'adore. J'ai tamponné en brune dune et j'ai rajouté, je sais pas si vous voyez, des petits paillettes au Wink of Stella. J'ai rajouté les demi-perles que je trouve ça toujours très très chic. Et sur les côtés, j'ai fait comme ça. Et quand on l'ouvre, en fait, j'ai décoré également l'intérieur de ma boîte en faisant un fond avec juste du papier vanille et les tampons. Christelle, je vais te faire changer d'avis. Il est trop beau ce papier. Voilà. Et pour la base de ma boîte, en fait, j'ai utilisé, quand vous achetez du papier design, les papiers design sont toujours, quand vous les achetez en 30 par 30, vous avez une feuille cartonnée blanche. Et donc, c'est ça, c'est cette feuille cartonnée blanche que j'ai utilisée comme support de ma boîte. Mais forcément, j'avais le texte qui était là, donc il fallait que je le cache. Donc, j'ai juste créé un joli fond et créé un fond pour mes couvercles et le tour est joué. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire la carte assortie à cette boîte. Et voilà. Donc c'est tout simple, rapide et efficace. Mais je trouve ça très joli. Et en plus, ça plaît à la personne qui me l'a commandé. Donc, que demander de plus? Donc, voili-voilou! Bon, ben en tout cas, moi je suis contente d'avoir passé un moment avec vous. Je suis contente aussi que ces deux projets vous aient plu. Il est où non? Hop là. Et que ça va vous inspirer. Peut-être que ça va vous donner des idées, que ça vous a donné envie de vous faire plaisir sur ma boutique en ligne. En tout cas, sachez que la boutique est toujours ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors n'hésitez pas. Voilà. Alors, attendez, je vous fais un petit coucou comme ça avec mon étau rouge et je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao, bye bye. Alors, attendez, il faut que je me mette en fesse quand même. Hein? Oui, hein, quand même. Oui, et puis la cartonnette, elle est satinée. Tu as raison, Nathalie, ça donne un côté chic à la boîte. Tu as entièrement raison. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Moi, j'ai trop hâte d'être à ce week-end puisque c'est ma rencontre de lignée, rencontre d'équipe et ça fait plus de 6 mois qu'on ne s'est pas vu, donc on va avoir beaucoup de choses à se raconter, même si on se voit, on va dire, via les réseaux sociaux, via Zoom et autres, mais en vrai, c'est quand même mieux. J'espère être guérie d'ici là pour leur faire plein de bisous en vrai aussi, ou alors toutes les contaminer, on verra. Je vous dirai ça la semaine prochaine. En tout cas, juste pour information, il n'y aura pas de live lundi, puisque c'est le lundi de Pentecôte, et que normalement, si tout va bien, eh ben, je serai en vadrouille chez beau papa et belle maman. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Surtout si vous avez besoin, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je serai toujours ravie d'y répondre et de vous accompagner lors de vos achats aussi et avec vos produits. Ça sera la prochaine fois, Nathalie, t'inquiète pas, on ne peut pas se diviser, quoi. Je vous fais des gros bisous. Et oui, toi Isabelle, t'as la chance de m'avoir vue en vrai. Alors pas sous ma plus belle apparence, hein, parce qu'en maillot de bain, les cheveux mouillés, franchement, je te dis chapeau de m'avoir reconnue. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon plaisir pour moi. Et aussi mon mari et mes enfants, ils ont vraiment apprécié cette rencontre.
Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Bisous, bisous. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao. Attention, je vous laisse en musique. Let's go!